je m'appelle Dominique et je fais des contes en musique. C'est une histoire mélangée avec des instruments, des chansons, enfin des mini-comédies musicales, on va dire. Ben, ça dépend des histoires. Des fois, il peut y avoir des animaux, donc avec des bruits des animaux, des rythmes, donc avec des percussions, enfin des kazoos, enfin plein de choses comme ça qui peuvent rentrer dedans. Alors, il y en a en vérité deux. Il y a le hang et il y a la boîte à tonnerre. Parce que la boîte à tonnerre surprend au niveau du bruit. Elle fait peur au début, mais après, les enfants, comme ils la touchent, ils ont beaucoup moins peur et ils appréhendent moins. Et le hang apaise. Alors, il y en a qui existent, donc je reprends, je dessine comme des comichibai. Puis, il y en a d'autres que j'invente. Ça dépend de mon humeur, ça dépend du développement de l'enfance que je vais mettre en place. Ils ne mentent pas sur leur invention. Ils sont en interaction, donc soit par le regard, soit en venant vers moi, soit en tapant dans les mains, soit en chantant. La musique, c'est le premier langage. C'est le son, déjà. Ça leur apporte de la joie, ça peut apporter de la tristesse aussi, ça peut apporter de la danse. Ça dépend de mon envie. Par exemple, cette année, j'ai pas fait d'histoire du Père Noël. Je suis passée sur d'autres histoires avec une bébé Moni qui était furax parce qu'on ne la laissait pas faire des choses. Bébé Moni qui avait aussi perdu son doudou. Des chansons un petit peu rythmées, un peu plus calmes. Des fois, il y a des histoires avec des animaux, des fois avec des personnages. C'est mes envies d'abord, et puis après, bah, j'essaie de les faire passer aux enfants.